Bonjour Alicia. Bonjour les amis, on espère que vous allez bien. Bonjour les copains et les copines, on espère que vous allez bien. On vous fait plein de bisous. On est content d'être avec vous nouveau aujourd'hui pour cette vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo vraiment un petit peu spéciale. Qu'est-ce que c'est comme vidéo qu'on va faire? On va faire une vidéo avec une youtubeuse Ellie. On va lancer un défi à une petite youtubeuse qui est un tout petit peu plus petite que toi. Elle a 3 ans et demi, 4 ans. Et c'est la chaîne Ellie Magic World. On va lui lancer un défi, le défi de What in the Box, le challenge, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Comme ça, il y a une caca dedans. Non, il n'y a pas ça. Alors les amis, vous allez voir, cette petite fille, elle est adorable, elle a 3 ans et demi, elle a les cheveux blonds comme Alicia, elle est vraiment adorable, j'ai mis en description le lien de sa chaîne, alors je vous invite à aller faire un petit clic dessus pour aller visiter sa chaîne, je suis sûr que vous n'allez pas le regretter. En haut à droite, j'ai mis la fiche aussi, vous pouvez voir le lien sur sa chaîne. Et maintenant, on va commencer. Donc, cette vidéo-là, elle est tournée avec le papa d'Ellie, on l'a tournée en même temps. Et on la diffuse en même temps sur YouTube. Donc, on va voir qui c'est qui va gagner ce challenge, qui c'est qui va découvrir le plus d'objets dans la boîte. C'est toi, moi, parce que moi, je suis déjà faite et elle est comme toi. Ah, oui, t'es un peu petit, t'es un peu plus grande qu'elle, c'est vrai. Donc quand vous aurez fini de visionner la vidéo, vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Elle a fait le même challenge avec les mêmes objets que Alicia et vous pourrez voir qui c'est qui s'en sort le mieux. On va commencer? Oui. Premier objet? Oui. Allez, tu mets la boîte en place. Allez Alicia, tu peux mettre tes mains dedans. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Du slime. Oh, trop rapide Alicia! Du slime noir. Allez, deuxième objet. Non. Allez, prends-le maintenant, remets-le dans la boîte, le slime. Deuxième objet. Ouais, tu peux ouvrir les yeux. On va regarder, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Fouille. Une banane. Quoi? Une banane. Non, allez, t'as 3 chances. Qu'est-ce que ça peut être ça? C'est dur? Une banane c'est plus mou hein? Tu la jettes? Oh, tu vas casser! Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, je te donne un indice. Ça se mange et tu aimes bien manger dans du pain. Une saucisse? Ouais, une saucisse! Allez, prochain objet! Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça pue! Ça pue! Allez, touche un petit peu, que ça peut être? Hein? Du manger pour chemin musique? Non, c'est pas du manger pour chemin musique. Faut toucher un petit peu plus, peut-être tu vas trouver, hein? Qu'est-ce que ça peut? Hein? Tu sais pas ce que c'est? Tu donnes ta langue au chat? On dit que le poil est perdu pour celui-là? Oui. Oui? Allez, je vais te montrer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, une pieuvre? Oui. C'est une pieuvre. Oui. Tu vois, avec ses pattes comme ça, là. Oh oui. Où tu te caches? Regardez mes amis, une jolie pieuvre. Oh, ça pue, c'est horrible. Oh là, regarde Alicia, regarde les tentacules qu'elle a. Voilà Alicia, tu peux chercher le prochain. Alors mets tes mains dedans. Ça c'est les gobelets que j'ai mis, c'est pas ça qu'il faut trouver. C'est pas ça, y a rien, ça c'est les deux gobelets. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça peut être. Tu trouveras pas ça, je vais te le dire tout de suite. Tu peux le sortir de la boîte. Ben voilà les amis, ça c'est la. Mais ben, sors-le. Ah, ça c'est Alicia. Alicia. C'est toi? Oui. C'est pas toi Alicia. Mais ça c'est Ellie. C'est toi.
Tu vois, les amis, j'avais discuté avec le papa à Ellie, j'avais dit qu'elle ressemblait à Alicia, bah Alicia elle a cru que c'était elle. Voilà les amis, vous avez vu, montre. Et Ellie elle va avoir la photo à moi, hein. Oui, Ellie elle aura la photo à toi. Les amis, bah, voilà, Ellie, vous la voyez, bah, normalement elle a toujours les cheveux attachés, c'est la première fois que je la vois avec les cheveux détachés, c'est pour ça qu'Alicia elle a pas reconnu. Montre, on la voit pas, montre. Voilà, vous avez vu comme elle est mignonne, c'est vrai qu'elle ressemble à Alicia un petit peu. Allez, vous pouvez cliquer en haut, comme ça vous tombez directement sur sa chaîne et vous pouvez voir si ça vous plaît aussi. Allez, c'est parti pour le prochain. Non, mais il n'y a rien dégoûtant, il n'y a que des choses, des jouets ou des choses qui se mangent. Mais quelque chose dégoûtant? Non, pas dégoûtant. T'as peur, hein, un petit peu. Des pâtes. Des pâtes? Des quoi comme pâtes? Ça commence par un S? La... Spaghetti, bien joué Alicia. Prochain objet. Allez, c'est parti. Alicia, tu peux mettre tes mains dedans. Je sais pas si tu vas trouver ça. Normalement, tu devrais trouver ça. Hein. Voilà, Play-Doh. Oui, Play-Doh. Trop facile. Alors, le prochain objet, ça c'est facile normalement. Hein. C'est dégoûtant? Non, pas dégoûtant. Non. Ça c'est très facile, hein. Spinner. Ouais, fais le tourner, spinner. Voilà. Fais le tourner encore. Cool. Facile celui-là. Allez, prochain. Allez, tu peux mettre tes mains dedans. Attention, ça pique. Quelque chose dégoûtant? Non, c'est pas dégoûtant, mais ça pique un petit peu. Fais doucement quand tu le touches. Je veux pas que ça pique. Allez, vas-y. Oh, t'inquiète pas, tu vas pas te blesser. Je vais pas te faire bobo. Mais allez, mets. Peur. Non, t'as pas besoin d'avoir peur. Tu sais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un truc où ça pique. Allez, mets tes mains dedans, vas-y. Non. Eh, on triche pas. Non, on triche pas. Allez. Mais j'ai peur. Mais non, allez, un peu de courage. Ça pique pas, je vais pas te faire bobo, t'inquiète. C'est quelle couleur? C'est vert. Un cactus. Non, c'est pas un cactus. Non, t'es fou, un cactus, ça fait bobo. Couche ton père. Ah, tu vois. Rassuré maintenant, hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Oui, mais qu'est-ce que c'est comme truc? Je sais pas comment ça s'appelle. Ça sert à quoi? Ça sert à jouer comme ça avec là. Ah, l'anti-stress, hein? Oui. Tu peux le sortir, tu peux regarder. T'as vu que ça pique pas? Là. Regarde comme il est beau. Allez, prochain, Alicia. Allez, go. Oh, comment t'as trouvé aussi vite? Hein? T'avais vu? Oui. T'as vu? Oui. Ah, t'as vu par la petite fenêtre de côté? Non. Et comment t'as pu voir alors? J'ai pas vu. T'as pas vu? Tu savais déjà? C'est que tu sais, je sais que. Allez, prochain. C'est quelque chose qui pique? Non, ça pique pas. C'est dégoûtant? Non, pas du tout. C'est quelque chose de tout mignon et qui pique pas, qui est tout doux. Tu vois? Un chat. Un chat! Ta peluche préférée. Montre-la à nos amis la peluche préférée. Les petits chats de Alicia. Tout mignon. Allez, dernier objet maintenant. Regarde ce qu'il peut faire. Maman. Allez, prochain, dernier objet. Alicia, ne triche pas de côté. Oui, ça pique, ça mord, ça griffe. Non. Ah. Allez, un peu de courage, tu vas pas le regretter. Je pense que ça va être l'objet préféré de tous les objets. Quand tu vas voir ce que c'est, tu vas sauter au plafond. Tellement tu seras contente. Hein. Tu vas mettre tes mains dessus, tu vas savoir tout de suite ce que c'est. Alors, tu devines pas? Un œuf Kinder! Mais c'est pas un œuf Kinder, c'est une surprise, c'est un œuf, comment il s'appelle celui-là? Kinder Joy. Pousse le carton un peu, Alicia. Kinder Joy! Oh, Alicia, t'as bien aimé ce petit challenge? Oui! Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Qu'est-ce que tu as aimé le moins? La pieuvre, dégoûtante et dégoulinante! Les amis, on vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Allez faire un petit tour sur la chaîne à Ellie Magic World. Regardez comment c'est. Si ça vous plaît, abonnez-vous. J'ai fait combien d'autres objets? Oh, je sais pas. Il faut que je calcule ça. J'ai pas compté. Ciao et ciao.